Salut YouTube et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui jour 24, direction Montréal, il y a à peu près 27 km à faire. Voilà, l'albergue était sympa, je ne vous ai pas fait de vidéo de présentation parce que il y avait beaucoup trop de monde, on était 8. Donc, voilà, c'est un grand dortoir de 14 places. Et il y avait aussi les toilettes, bon bref, assez sommaire, 5 euros. Bon, ça fait le taf. Ça fait le taf. Donc voilà, je vous rappelle que c'est une vidéo par jour, que tout est monté, filmé par mon téléphone portable. Donc, c'est pour ça que parfois les vidéos sont assez courtes. Elles sont courtes quand il n'y a rien à montrer, hein, quand il n'y a pas grand-chose à montrer. C'était le cas hier, il n'y avait pas grand-chose à montrer. Je ne vous ai pas fait d'intro comme je le fais depuis quelques temps parce que ça fait du bruit, puis en plus il n'y avait pas grand-chose aussi à dire. Donc voilà, donc je vous ferai des intros comme ça quand il y a quelque chose à vous montrer. Et que en plus c'est le hasard qui le fait, hein. Il y a des jours où j'ai pas mal de péripéties, et puis il y a des jours où il se passe rien. Donc, rien n'est provoqué pour le film, etc. etc. Voilà, et bien sur ce, bon visionnage, générique.
Et voilà, situation extrême, mesure extrême. Donc là, je fais la vidéo de bilan de cette journée. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, la vidéo commence à Isca. Entre Sangueza et Isca, il n'y a strictement rien. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'étais obligé de prendre un bus pour aller pas très loin d'Isca, mais pour me rapprocher, parce que à la fin du tournage de l'introduction, j'ai eu une grosse douleur au niveau de la cheville droite. Et en regardant un petit peu, en fait, j'ai une tendinite au niveau de la cheville qui m'empêche de marcher correctement. Et j'en ai une en préparation sur la gauche. Donc au lieu de faire les 27 km qui étaient prévus, j'en ai fait que 17. Donc j'étais obligé de prendre un bus pour me reposer un peu avant d'entamer cette marche. Donc voilà. Donc je suis pas très très content bien sûr, mais pour moi il n'y a pas de... L'arrêt n'est pas une option, d'accord, je dois faire Saint-Jacques, voilà, coûte que coûte. Donc voilà, donc c'est pour ça que il n'y a pas de vidéo avant Isca, j'en suis désolé. Demain matin, donc oui, je vais aller voir à la pharmacie s'ils peuvent me proposer quelque chose pour me soigner. J'ai de l'arnica, bon, voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire quand même. Peut-être me strapper, je sais pas. On verra. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.